dame ici, elle est trop épaisse. Alors un jour, peut-être tu pourras la rencontrer. Et ce matin, j'ai cherché, j'ai dit, mais c'est où là? J'entendais, je me disais qu'il y a du monde. Amen, amen. Alors quand je viens, on me dit, c'est là où il y a le portail. Quand j'arrive, j'ai dit qu'un peu. J'entends cette voix, c'est comme si c'est un séminaire. Mais quand je rentre, alors je trouve un endroit comme ceci. Je dis, waouh. Amen, amen, amen. Dieu sait pourquoi il m'a amené ici. Et j'ai béni Dieu, je me suis assis. J'ai dit, on va partager ensemble la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, j'ai béni Dieu parce qu'il fait tout. Il fait tout. Croyez au Seigneur Jésus et croyez au serviteur que Dieu vous a envoyé ici. Amen, amen. Amen. Donc c'est la parole prêchée pure et simple. Amen, amen. Amen. Voilà, le retour de Jésus, c'est vraiment les choses qui sont bien réelles. Il faut vraiment rester dans la parole. Le secret, c'est dans la parole. Amen, amen. Amen. Voilà, parce qu'il est écrit dans Jésus 1:8 que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen. Amen. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Je suis le frère John Freddy, de la vie de Jésus, à Port-Gentil, aux Andes, il peut vivre ici. Et Dieu m'a envoyé plus loin, à France. Donc là-bas, j'ai un ministère auquel je laissais mes enfants. Amen, amen. Amen. Dieu nous bénisse encore. Amen. Amen.